Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous fera découvrir la famille de Serge Royer. C'est parti. Serge Royer, né le 24 décembre 1992 à Ouragadougou, en Côte d'Ivoire, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de défenseur au club de Villarreal en Espagne. Formé au Racing Club de Lens, Royer fait ses débuts en Ligue 1 à seulement 17 ans. Ses excellentes performances l'envoient au Toulouse FC. La saison suivante, le club du Paris Saint-Germain le récupère sous forme de prêt avant de lever l'option d'achat la saison suivante. Avec le club de la capitale, Serge Royer remporte plusieurs titres, dont 2 titres de champion de France, 3 coupes de la Ligue, 3 coupes de France, ainsi que 3 trophées de champion. Avec la sélection ivoirienne, Royer participe à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'année suivante, il fait partie de l'équipe victorieuse en Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il continue de mener à bien sa carrière en pleine ascendance. Son père se nomme Bizé Léon. C'est un ancien footballeur professionnel ivoirien qui s'est reconverti en assistant administratif après sa retraite footballistique. Suite à sa séparation d'avec la mère de Serge, Bizé Léon a durant longtemps eu une relation tumultueuse avec son rejeton, l'accusant dans les médias de ne pas s'occuper de lui et de l'ignorer complètement. En dépit de photos les montrant proches, père et fils ne se sont pas véritablement rabibochés. Bizé Léon est décédé le 3 avril 2019 des suites d'une longue maladie et dans un état de dénuement absolu. Sa mère se nomme Marie-Irène Zagadou. Après son divorce d'avec Bizé Léon, elle rejoint la France avec ses enfants. Là-bas, elle rencontre et épouse Michel Royer qui accepte d'adopter ses enfants. La famille s'installe à Sévran et c'est là-bas que le footballeur passera le reste de son enfance et l'adolescence. Serge lui voue une admiration sans limite et l'affiche souvent sur les réseaux sociaux. Serge Royer a un frère du nom de Christopher Royer. Il était footballeur comme son frère, mais n'a pas eu une carrière flamboyante, jouant plutôt dans des clubs semi-professionnels. Christopher Royer est mort le 13 juillet 2020, tué par balle dans la poitrine devant un établissement de nuit situé à Toulouse. Son meurtrier a révélé à la police qu'il avait agi par jalousie, ne supportant pas de voir le frère du joueur ivoirien discuter avec sa copine. Cette disparition tragique a été vraiment un coup dur pour Serge et sa famille. Côté sentimental, Serge Royer est en couple avec l'américaine Ensha Voigt. Elle est nutritionniste professionnelle, coach personnel, actrice et mannequin. Ensemble, ils ont une fille.